Hey, salut tout le monde, c'est Faux le jeu pour le quatrième épisode de notre Let's Play sur Portal 2. Et donc au dernier épisode, on s'était laissé encore une fois dans le sas de la prochaine salle, qui je ne sais pas ce que ça va être. Quelque chose de ouf, peut-être, je ne sais pas, une énigme de fou, hein. Ou peut-être une énigme trop simple qu'on avait fait dans les derniers épisodes, des énigmes hyper simples auxquelles j'aurais réalisé en version speedrun. Non, je déconne. C'était pas vraiment un speedrun, mais c'était tout comme, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, je suis assez chaud aujourd'hui, bien évidemment comme les derniers épisodes j'étais très chaud et là je suis encore plus chaud pour faire les autres énigmes. Alors j'ai baissé le son, je ne sais pas si ça s'entend dans mes oreilles, je crois que j'ai baissé le son mais j'ai un petit doute, je vais bien voir. Donc, on va voir ce que ça se passe, comment ça se passe ici. Les ponts sont faits d'une manière naturelle que je pompe de la surface. Ok. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. D'accord. Vos cheveux s'embraseraient, je vous déconseille donc d'essayer. Ok, donc on a une plateforme et là il va falloir la faire partir vers là-bas. Donc c'est tout con, je pense qu'il faut faire ça et la mettre là. Voilà, tout simplement, hein, bien évidemment. C'est tout con. Comme ça, voilà. Et là il va falloir appuyer sur le petit bouton pour nous faire donner le petit bloc qui va bien avec. Par contre, il est où le bloc? Where is it? Ah d'accord, il est là. Mais pourquoi il tombe là? Mais arrête! C'est quoi ce délire encore? Oh là les gros! C'est quoi ce délire? Oh là! Attendez! Oh là! C'est quoi ce délire encore? Bon, je suis tombé. Mais là, je comprends pas là. L'énigme est assez chaude. C'est quoi cette énigme de fou? On en parle ou on n'en parle pas? Je sais pas. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez entendre un bruit de tracteur, parce que oui, il y a des tracteurs chez moi, je suis en campagne, et donc du coup, il y a des tracteurs qui peuvent venir intervenir, et on pourrait en entendre un, peut-être aujourd'hui. Donc, et moi, ça me plaît pas beaucoup. Alors, alors, calmez-vous. Ouais, on va en foutre l'un là, hop là, nice. Et ensuite, oh non, je me suis gouré, il fallait appuyer sur l'autre bleu, putain quel con. Mais quel con les amis. La technique n'est pas si facile que ça, mais on va y arriver, hein, tant bien que mal, on va le faire plein de fois. Donc là il faut arriver jusqu'ici, tac, hop, non c'était l'autre. Oh putain, chaque fois je me fais niquer. Bon. On va essayer encore une fois les gens. Parce que bon. Niveau 2. Attends, j'allais faire une blague mais je l'ai mal faite. Donc je ne la fais pas, hein, je ne la fais pas. J'allais faire une blague de merde. Il y a un interrupteur là-bas. Ah ok, d'accord, non. Très bien, il faut que je prenne déjà la boule. Après je la pose là-bas, mais c'est un truc de ouf. Là cette énigme est assez corsée, je dois vous avouer. Cette énigme est assez corsée. Voilà, donc là. Normalement. On la prend au passage. Hop là. Ah nice. Donc, on va poser ça là. Alors, hop là, voilà, comme ça. Hop. Après, ça va pas le faire. Si je pose comme ça, ça va mieux le faire. Je pense. Voilà, on prend ces blocs là. Et là, on devrait normalement... Alors là... Les gars, comment on fait ça? Alors attendez, je préfère pas le faire là. C'est assez chaud. Je ne comprends pas vraiment comment faut-il faire, mais... oh là 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 là. Je pourrais limite faire ça, mais... C'est assez tendu, là. Je ne sais... Je ne comprends pas trop comment on faudrait faire. Pour atteindre là-haut, en fait. On pourrait limite faire ça, mais... Ah, non. Oh là, mais je suis bête. J'ai juste à faire ça, en fin de compte. Voilà. Bien évidemment. Fait juste passer dans les cercles, et oui. Et là, on pose ça, là, hop. Voilà. Et bien évidemment,
Par contre là, on le repose. Je sais pas. Par exemple, par là-bas. Ah merde. Ok, non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On y est arrivé, tant bien que mal. Excellent. Voilà. Vous êtes une prédatrice et ces tests sont vos proies. Ouais. À propos, j'ai réalisé des recherches sur les rôles pour un futur test. Ne t'en vas pas, il y avait un truc. D'autres créatures qui tuent. Je sais pas ce que c'était. C'était un copain. Les requins. Je ne sais pas. Erreur. La bonne réponse est personne. Ouais, mais tais-toi. Ah. Succès déverrouillé, le pont levis. Oh, nice. Donc on a maintenant un nouvel item, entre guillemets, auquel on pourra utiliser dans les salles. Donc en gros, une nouvelle difficulté. Bonne nouvelle. Oh. J'ai trouvé comment investir l'argent pour Lightbridge. En recyclant le volume d'air qui vous est destiné. À votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. C'était assez dégueulasse, hein. Les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. D'accord. Formidable. Oh, la porte est en panne. Ouais, c'est super. Ah bah oui, mais qui ? Non, pas de problème. C'est encore moi qui vais me dévouer. Ne touchez à rien. M'en fous, je touche à tout. Mais alors ? Mais ouvre-moi cette porte ! Hey, par ici ! Non ! T'es où ? Des œufs d'oiseaux là-haut. Je les ai lâchés dans notre pote. La porte, ça l'a coincé l'office. Ah, elle est là. Viens. Oh, il se fait bouffer. Bon, c'est sûrement l'oiseau, pas vrai ? Ouais. Celui qui a pendu les œufs. Bonjour. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'on ça va, ça va. Ici et très bientôt. Parole de Whitley. Ouais. Il faut juste que je trouve comment. Ok. Un moyen. On t'inquiète. Voilà. Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vu. Ouais. Ok, on s'est jamais vu, hein. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. Encore avec ces conneries de trucs là. Oh là là. Ah, attendez déjà. Oh là là. What? Alors, attendez. Je pense que c'est tout con. Non. Je pense pas que c'est pas par là. Voilà, là. Et là, on met le bleu là. On met le bleu là, par exemple. Et là, on descend. Boum. Et ça nous fait, par exemple, mener par là. Et, par exemple, par là. Voilà. On prend le bloc ici, voilà. On l'incorpore. Alors je sais pas comment on va faire. Oh mince, faut que je recommence. Attendez, parce que j'ai un peu de mal avec les couleurs. Hein. Ouais. Oh putain. Voilà. Donc là, maintenant, il faudrait peut-être faire comme ça. Est-ce qu'il y a en dessous? En dessous, il n'y a rien du tout. Comment on pourrait y accéder? Oh non! Tombé comme un boulet. Oh non, me dis pas qu'il faut que je refasse tout, quoi. Non. C'est assez chaud, là, parce qu'il faut manier les deux trucs et tout, donc c'est assez compliqué. Ah non, c'est bon, j'ai... Ah non, il me laisse quand même la boule. Oh, ils sont gentils. Ils sont gentils quand même. Ils sont gentils. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que c'est que là-haut? Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Ouais, mais non. J'ai pas la boule. Comment je sors d'ici maintenant? C'est quoi ce délire? Dans quel truc je me suis foutu encore? Mais what the fuck? Ah ouf. Non! Putain, c'est... Eh, je me suis foutu dans quoi, les gens, là? Je n'ai pas compris, hein. Oh! Attends, je suis sûr qu'il faut faire un truc avec ce machin. Oh là là. Oh, c'est chaud. Oh, dites-moi que c'est chaud, quoi. Donc là, parce que là, ça va être très tendu. Ça va être très tendax.
Regarde, on va prendre le bloc. Non, on descend le bordel. Oh putain. Non, par contre, voilà. Mais là, je comprends pas en fait. C'est quoi le délire là en fait? C'est un easter egg ou quoi? Je vais croire que c'est un petit easter egg, mais quand même. Bon, bon. Je pense qu'il faut descendre comme ça en fait. Oh putain! Alors là, je me suis failé en beauté. En fait, je crois que c'était. Oh putain, faut faire un diagonale. Faut faire une diagonale et tout. Oh! Mais c'est tendu là, je ne sais pas vraiment comment faut faire. Mais je crois avoir trouvé la petite technique. Hein. Je crois l'avoir trouvé. Juste qu'il faut faire ça, faut revenir. Voilà. Là, on met par exemple le truc là, hop. On descend. Il faut mettre dans le bon axe parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Par exemple là. Oh non! Autant suicider. Autant se suicider. Oh, j'ai loupé le machin. Oh. Et sauf que j'avais trouvé la bonne solution. J'avais trouvé la bonne solution. On était bon les gens. On était très bon même. Mais je me suis failé. J'ai trouvé la solution. Vous ne en faites pas. Boum, boum, boum. Voilà, il faut juste retourner. Mais en fait, c'est pas très difficile. C'est juste que je fais le con. Je fais le con. Et là, les gars, c'est pas très nice. Oh non, mais non, mais non. C'est pas possible. Alors les gars, je fais le con. Je fais le con. Faut arrêter de faire le con. Hein. Bon, on refait ça sans pression. Ok, donc là. Hop, 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 hop. Comme ça, voilà. On revient, bien évidemment. On pose le bloc. Non, par contre, le bloc, tu vas arrêter de déconner. Faut appuyer sur la machine, ok. Voilà, alors là. Voilà, ok. Ok, là c'est bon. Waouh, j'ai eu un coup de stress de ouf. Bravo. Non, c'est bon. Je vais même le voilà. Merci. Mention spéciale. Merci, merci. Oh, comme c'est oh. Ouais, merci, au revoir. Non, c'est plus que satisfaisante, là, je me suis démené pour ça, quoi. Je suis mort depuis maintes et maintes fois, et là, tu me dis de la merde. Enfin, tu me dis, oh, c'est assez satisfaisant. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, madame. Vous ok. Vous je, ouais, oui. Oui. Bon, par contre, arrête de me le... Oh. Hé, hey, je te prends, moi, qu'est-ce que tu vas faire? Aïe, ça fait mal. Ne tirez plus. Oh là là. Mais tu vas dégager d'ici, toi. J'en ai rien à... Hop là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors? Hop là, wait. Ouais, c'est par là. Hop là. On grimpe. Donc là. Oh là, il y a des blocs partout. Je pense qu'il faut les bloquer. Ouais. Là, je comprends pas. Ah, c'est qu'on peut faire ça, attendez. Aïe, non, on peut pas faire ça. J'ai rien dit. On ne peut pas. Cible perdue. Alors, par où? Par où, faudrait aller. Est-ce que comme ça? Ah, et là, faut prendre le bloc. Boum.
casser. Voilà. Et là, faut faire pareil. Hop là, bien évidemment, hop là. Boum. Il est complètement en fou. Et on peut passer, voilà. Sauf que là, oh là. Ça pique un peu. Attendez. Oh ça pique. Alors je sais pas, ils vont nous respawn. Non, c'est bon. Qui va là? Personne. On va prendre un autre bloc. Qui va nous permettre d'avancer. Aïe. Ça fait mal. Mais merde, comment on fait? Donc, je sais pas en fait comment je lui ai cassé l'autre. Bon, toi, ça c'est simple. Juste à faire ça. Ah, mais si, on est con. Regarde, là, il faut lui balancer. Ah, putain. Regarde, on va faire ça. On va prendre. Sauf que là, c'est pas ça que je veux. Regarde, hop. Oh merde, le fail. Regarde, il faut bien le mettre là. Ok, alors. Ok. Faut lui faire casser la tête. Hop là. Oh merde. Voilà, bon, c'est bon, on a fait ça à la manière forte, mais on y est passé. What? Hey, wait. Comment on fait là? Me dis pas qu'il faut que je saute. Ok, très bien, j'ai sauté. Putain, je sais pas où on va. Hein. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? De nouvelles salles. Ok, temps de chargement. Bizarre, mais on va voir. Ouvre-moi ça. Un cycle de test constant. Ouais. Je simule la lumière du jour à toute heure et j'ajoute des vapeurs surrénales à votre arrivée d'air. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Histoire de brouiller votre perception du temps. Pourquoi il y a des machines là partout? Hier, c'était votre anniversaire. Ouais. Bon anniversaire. Merci. Mais je suis bloqué. Ah, oh, où je suis? What? Bon, on est dans quelle salle là cette fois-ci? Bon, je pense que c'est tout con. Alors ça. Ah, on a qu'un bloc. Oh, ah d'accord, il faut en fin de compte. Attendez, oh là là. Aïe. Comment on fait là? Ah ouais, faut faire un angle. Mais oui, tout est clair. Et normalement, si je bouge ça... Voilà, nice. Oh, c'était pas mal. C'était pas mal. En fait, je développe un cadeau d'anniversaire en retard. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a un easter egg dans ce jeu auquel les développeurs ont mis, et c'est un gâteau. Et ce gâteau-là, je ne sais pas où il faut le trouver. Donc,
Voilà, donc en gros, elle parle de cadeau. Je pense que c'est ça que je parle. C'est qu'il y a un cadeau à la fin de Portal 2 qui est très secret et auquel je ne sais pas où c'est, mais c'est très 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 secret. Et pour le trouver, c'est assez tendu. Donc je ne sais pas, mais c'est assez tendu. Ça serait pas mal de le trouver, mais voilà. Je ne sais pas comment, hein. Je ne connais pas le jeu, donc du coup, je ne sais pas où il est. Mais je crois que je l'avais déjà vu dans un speedrun, hein, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, j'avais parlé de Kiro de Vodal et Rilmiop en parlant de speedrun. Hein. Et donc je ne sais pas où est ce cadeau. Très bien à d'autres personnes. Ouais. Un scientifique a noté qu'elle vous donne l'air stupide. Ouais, arrête de dire que je suis stupide. Un vieil ingénieur barbu et la mode, ça fait deux. Aïe. Il est sûrement... Ah, mais attendez, c'est une femme. N'empêche que... Ah non, attendez, elle est docteur en sciences. Ah, salope. En sciences de la mode. Forêt de barrière. Ah, comme ça, voilà. Alors tu vas faire quoi? Par contre, là, je suis un peu keblou. Non. C'est pas bon. Voilà, dégage. Voilà. À dégager. Oh putain! Ah! On se fait attaquer! Oh mon dieu. Là, c'est chaud. Donc là, on prend comme ça. Normalement, ils peuvent pas attaquer. Ah si, ils peuvent attaquer! J'ai rien dit! Aïe. Ça fait bobo. Ça fait mal. Alors, là, comment vous dire que c'est assez tendu? Comment vous dire que je ne sais pas? Comment vous dire qu'ils sont très chiants? Aïe. Attendez. Ok, c'est bon, là, ils vont pas nous attaquer. Enfin, il va pas m'attaquer. Bon. Là, il y a un truc pour sauter. À quoi cela va nous servir, je ne sais pas. Aïe. J'ai dit aïe avant. Ok, il faut que je prenne le bloc. Et donc là, Ok, là ça va me bloquer. Oh non, ah, d'accord. Attendez, on l'a refait. Voilà, et là ça devrait me bloquer. Boum. Très bien. Là. Voilà, à dégager. Pourquoi? Eh ben t'es mort. Eh ben alors. Eh ben t'es mort. Oh merde. Ah ouais, c'est que c'est pas... C'est pas si simple que ça en fait. Je croyais mais non. Aïe, dégage. Ah dégagé, voilà. Bon, c'était très simple. Hein. Bah, c'était tout, pas compliqué du tout. Allez, on continue. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Ouais, le monde est très petit, c'est vrai. C'est très 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 vrai, c'est fort probable même. Mais on a fait ça simplement et rapidement. C'était assez ouf. J'ai fait ça à la one again, mais c'était pas mal. Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Non, c'est vrai. Je vous dis pas ce que c'est, mais voici un indice. Pourquoi rien? Il y a une tourelle. Vous découvrez deux personnes perdues de vue. Recherche, au revoir. Ok, recherche elle. Cible perdue. Alors, ah ouais, oh là. Alors là, comment vous dire que c'est assez tendax? Comment vous dire que c'est assez tendax? Et je ne comprends pas. Alors, comment... Comment on pourrait faire ça? Comment on pourrait faire ça? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours... Attendez. Ah, je sais ce qu'il faut que je fasse. Ah ouais, attendez. Attendez, je crois qu'il faut faire que je... Attends.
Faut que je descende comme ça. Ah d'accord, là ça nous permet de regarder un peu comment fonctionne la chose. Très bien. Mais ah non, si, c'est très cool. Ah si, c'est très bien même. Aïe. Bon, c'est assez... j'ai pas trop compris la truc là, mais on finit cette salle et après c'est bon. On a fini l'épisode. Parce que j'ai pas trop envie de faire trop long aujourd'hui, hein. On va pas faire trop long. Alors là, c'est assez chaud. Parce que... bah c'est chaud, quoi. Là, on fait comme ça. Là, ok. Sauf que là, on veut pas. C'est assez tendu. Alors. Bonjour. Parce que c'est, je sais pas comment on va faire pour cette énigme. On va essayer de trouver. Mais je vous promets rien. Parce que là, il faut. Alors là, je pense qu'il faut faire ça. Ok, là je comprends pas là. Pourquoi on ferait ça? Ah ouais, non, mais. On est bête. En gros. En gros, ils sont là-bas. Et. Comment on pourrait y accéder? Merde, mais comment faudrait... En fait, faudrait les bloquer. Faudrait apparaître par derrière ou un truc. T'en viens pas. Non, on peut pas passer comme ça. Je sais honnêtement pas comment faire. Cette salle est assez compliquée. Oh là là. Alors pourquoi il y aurait un... Alors pourquoi il y aurait un gars là? Il y a un gars là. Ça peut... Vous êtes toujours là. Ouais, mais c'est assez temps. Là, je suis assez concentré. Ah ouais. Peut-être que utiliser comme ça. Ah mais oui, d'accord. D'accord, il fallait le dire. Parce que moi, à chaque fois, cet interrupteur, moi, je me dis. Faut pas l'utiliser parce qu'après on peut rien faire avec. Mais en fin de compte, si, il faut l'utiliser. Donc là, hop, et là on pouvait l'utiliser. Ah, oh, j'étais très con, je suis désolé les gens. Ça fait c'était tellement con que je n'y ai même pas pensé. Donc bon. Hop là, j'ai cru que j'allais me prendre. Hop là, crève. Hop là. Et hop là. Énigme très conne. Alors, vas-y, fais-nous. Elle chante, je sais pas ce qu'elle fait, elle chante. Bon. C'est bien, tu chantes, hein. Tu te fais plaisir. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit? À la prochaine salle, il y aurait un truc spécial. Alors, comment vous dire que je vais peut-être m'arrêter là? Parce que... Ce nouveau test aurait été conçu par l'un des prix Nobel d'aperture.
Quelle découverte lui a valu un On va quand même regarder. Je l'ignore. Mais sûrement pas l'immunité aux neurotoxines. Ok. Ben, vous savez quoi, on va quand même la faire parce que... voilà, on va quand même la faire. On va quand même faire cette énigme là. Voilà. Donc là, normalement, ça nous permettrait de passer. Donc là, il faudrait poser ce bloc quand même. Donc là, je ne sais pas comment on pourrait passer. Donc là, en fait, faudrait... faire un truc. Le truc, c'est qu'il faudrait peut-être faire ça, en fait. Voilà, là, le bloquer. En fait, il faudrait rester sur cette plateforme-là. Ok, là on pose le bloc. Sauf que là, ça nous fait monter là-haut. Comment on pourrait bloquer ce système? En fait, on peut le bloquer qu'avec ce système-là, alors... Ah ouais, non, c'est bon. Les gens, c'est bon. Je viens de comprendre. Je viens de capter. Je viens de capter. Donc là, après, là, c'est tout con. On pose ça comme ça. Et voilà, ça nous fait grimper. Oh, popopo. Au contraire. Ouais. Nous sommes justement en train de nous en approcher. Ah bon? Après toutes ces années. D'accord. Je suis toute émue. Oh, toute émue. Bon, énigme encore assez simple en fin de compte. Pas vraiment compliqué, mais je sais. Mais en fait, les énigmes ne sont pas compliquées du tout. Je dis pas ça pour me la péter, mais faut voir les côtés des choses. Hein. C'est assez simple en fin de compte. Donc bref, chapitre 4, survivre. Oh là, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé les gens. Donc chapitre 4, surprise, on va se laisser là pour ce quatrième épisode. Donc ça fait, entre guillemets, bah, 4 chapitres, hein. Donc un épisode par chapitre, non pas du tout, mais en fait on a avancé plus vite que dans d'autres épisodes. Donc du coup voilà, ça nous fait ramener au quatrième chapitre, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on est déjà à 32 minutes, et 32 minutes pour moi c'est un arrêt d'une vidéo, parce que, enfin d'un épisode, parce que voilà. Je vais faire 30 minutes, donc voilà. Donc j'espère que cet épisode-là vous aura plu, que les énigmes, ben vous avez réfléchi aux énigmes, et que vous avez trouvé ça aussi simple que moi, parce que moi j'ai trouvé ça, que c'était vachement simple, en fin de compte. Il fallait juste faire tac, 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 réfléchir un peu. Alors je sais pas ce que va nous réserver le jeu, je sais pas combien il y a de chapitres, dites-moi dans les commentaires combien il y a de chapitres, je vous dirai peut-être dans le prochain épisode combien il y a de chapitres, en me renseignant sur le nombre de chapitres de Portal. Je pense qu'on a très peu... Mais le jeu a l'air très cool, et le jeu est très cool. A l'air très cool. Oui, enfin, il est cool, quoi. Enfin, bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, il y aura peut-être une surprise, apparemment. Et c'est le chapitre surprise, si je ne m'abuse. Je crois que je me suis trompé, mais il y a écrit surprise dedans. Hein, donc, je pense qu'il y a une petite surprise, hein. Dans le prochain épisode, vous allez voir ça. Voilà. Donc, moi-même, je ne sais pas. Donc, on va kiffer cette surprise, je pense. Et donc, du coup, on va se laisser là. Je vous donne rendez-vous pour le cinquième épisode de Portal 2. En espérant que vous serez toujours là. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo. Et allez vous abonner si ça vous a plu. Bien évidemment, je ne vous force en rien. C'est juste que vous pouvez toujours faire ça. Alors, bien évidemment, je le dis encore une fois parce que je sais que les gens n'y pensent pas assez souvent. Donc, du coup, je le redis, bien évidemment. Voilà. Donc, bref. Je vous dis à très bientôt. C'était Full Jojo. Allez. Bye bye et rendez-vous au cinquième épisode de Portal 2. Allez, ciao ciao!